Bonjour à tous et bienvenue pour continuer le montage du Char Tigre 2. Aujourd'hui, numéro 51. Allez, je vais déballer tout ça. Pour ceux qui ne le sont pas encore, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Allez, voilà, c'est déballé. Regardez, sur la boîte, j'ai une étiquette. Ce sont des pièces invendues qui viennent d'un autre pays. J'espère que je n'aurai pas de problème avec, mais on va voir que, malheureusement, ce n'est pas le cas. Allez, passons aux pièces. Donc, d'abord, première pièce, on a la dernière partie du panneau latéral, marqué L4, une pièce en métal, déjà bien décorée. Ensuite, on a une autre pièce en métal, une Eclipse. Ensuite, on arrive aux différentes parties du galet de roulement avec ces deux pièces-là qui sont en métal et les autres pièces en plastique. On a un petit enjoliveur en plastique et un manchon, ainsi que trois petits sachets de vis capés LM et IM. Alors, première partie du montage, on va mettre en place donc le panneau latéral à l'aide de deux vis IM. Sort bien pour plus que ça bouge, et donc le panneau latéral est terminé. Passons maintenant au montage du galet de roulement. Donc on prend la pièce 51G, on va mettre la pièce 51E par-dessus, voilà, et on termine avec la 51H. Maintenant on va mettre tout ça de côté. On récupère les pièces 51L, 51F et le petit manchon. Donc on met en place ces deux pièces-là. On met en place le manchon. On va s'aider d'un petit cure-dent pour pouvoir aligner les deux pièces. On reprend l'autre partie du montage. Une fois qu'on a bien aligné la pièce, on va pouvoir fixer ça avec quatre petites vis capées. Voilà, donc c'est terminé de monter. Maintenant, on va le mettre en place sur la rotule et sur la caisse. Et on le visse avec une vis IM. Voilà, c'est mis en place. Bien serré, normalement, il faut mettre l'enjoliveur. Regardez-moi, j'ai pas le bon. C'est pour l'autre type. Donc, je peux pas l'enficher. Il tient pas. Je vais pouvoir recommander un numéro. Voilà ce que c'est d'avoir des pièces d'occasion. Allez, on va quand même mettre en place l'éclipse sur la caisse, sur l'avant de la caisse, donc en la retournant. On va mettre ça en place avec deux vis LM. Voilà, donc c'est tout pour le montage de 51, on a rajouté un galet de roulement, on a terminé le panneau latéral et on a rajouté une éclipse à l'avant de la caisse à l'intérieur. Et donc la semaine prochaine, on aura deux rotules, on aura des protège-chenilles, des supports, des vis et même une petite clé à Allen. Allez, je vous dis bye bye, à bientôt.